Venez seulement, venez. Venez, hein, ça a chauffé tout à l'heure. Il a gâté le coin. Bonsoir, bonjour, ça va? Vous allez bien? Zema fou, Zema pas la couille. Voilà. Bon, c'est un tutoriel de 20 minutes. Donc, commencez à partager. Parce que les questions qui m'ont été rapportées en inbox, donc, vous n'avez pas à répondre à tout un chacun et chacune sur le côté d'une cotance cotatale comme Cotier. Coco, cocotier. Enfin, bref, on s'en bat les couilles. Je vais essayer de faire un live, d'accord? C'est un live où je vais vous donner des petits secrets. Pas des petits, des grands secrets. Pour que vous, les filles, vous puissiez éviter la tromperie de vos hommes à 90%. Parce que je ne peux pas vous donner des astuces à 100% fiables. Mais je vous donnerai des trucs qui sont fiables à 90%. Si c'est que tu dis là, tu fais, ça ne marche pas, viens me gifler. Je suis prêt pour ça. Ah, tu vois. Parce que vous, les filles, j'ai comme l'impression que vos cerveaux sont comprimés, oppressés. Et puis, ça me fait mal. Vous jouez à vos hommes. Vous ne respectez pas vos hommes. Vous n'arrivez pas à dompter vos hommes. Et demain, vous êtes surprise que oui, vos hommes vous trompent. C'est parce que, ma chérie, tu n'es pas rentré dans le cerveau de ton mari, de ton copain, bref, de celui avec qui tu sors. Parce que oui, un garçon, c'est comme un ordinateur. Lorsque tu le croises, il faut le formater. On le dit à formation. Formate-le. Enlève CD de son ex. Oui, je te dis en vérité. Chaque garçon a toujours une relation assez calamiteuse, macabre, ténébreux, piteux, labeur, désastreux, dangereux, tout ce qu'on a, sauf heureux, parce que c'est business. Aïe, nous, ton instant, je ne comprends pas, parce qu'il faut qu'on m'explique. Retire d'abord le CD de cette chouin connasse qui a brisé son cœur. Bref, si il te fait croire que oui, c'est la fille qui a brisé son cœur, bref, on le croit comme assurance, le bénéfice du doute, ok, fine. Mais d'abord, la première des choses, c'est primordial. Retire le CD de son ex, et puis il faut insérer ton CD. Donc, formatage obligatoire. Mais toi, la fille, dès que tu commences une relation, tu ne te mets pas dans cette symbiose de synchronicité afin de formater sa tête et puis insérer ton CD. C'est que tu dois graver ton nom dans sa tête, non dans son cœur. Parce que pour arriver au cœur, ça, c'est un autre problème. Donc, au lieu encore, la prochaine fois, je vais t'expliquer comment ça se passe. On revient dans le sujet. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont estomaquées et qui disent, oui, les hommes, c'est des bâtards. Oui, je reconnais pas, mais lui, il est bâtard. Mais le bâtard, il a été bâtardisé parce qu'il y a une fille connasse, une chouine qu'il a. On sait tout ce qui se passe, d'accord? Voilà. Aujourd'hui, il y a des filles qui s'étonnent, oui, mon gars, il me trompe. Mais pourquoi il te trompe? C'est parce que tu lui as donné la permission de te tromper. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se promènent de page en page pour toujours chercher des situations à la con pour savoir comment est-ce que tu dois dompter? Non, ma chérie, tu es une femme. Quand tu es né, Dieu t'a créé femme. On t'a donné les petits bobetana avec les passants carrés. Plus le coin du bonheur. Mais il faut l'utiliser à bon escient. C'est une femme qui va venir te dire comment est-ce que tu dois moukou ton mari dans le moindre recours du coin content, 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 de pouvoir comment on se la canine. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Une femme doit savoir baiser son mari convenablement. Oui, c'est primordial. On est en 2017, on n'est pas au temps de Simon Timbra, on n'est pas au temps de Jésus, on n'est pas en 1980, on est en 2017. De nos jours, c'est obligatoire. Tu dois savoir baiser d'une baisance baisatale. Bref, tu dois connaître la baisance d'oncologie dans toute sa splendeur. Oui, c'est très important. Parce que vous, les gars de aujourd'hui, quand vous ne vous pas bien, vous êtes les premiers à dire, si oui, le mec, pff, putain, c'est un pipao, le mec, voilà, pff, il n'assure pas n'importe quoi, à peine il monte deux secondes après, voilà. C'est vous les mêmes. Donc, on le reste comme assurance. De base, basatale comme base aérienne. Il faut savoir baiser le monsieur là, c'est important. Oh, ça m'énerve même. C'est très important. Très important. C'est pour ça les blancs créent film porno. Ma série, tu ne connais pas. Fais, faut apprendre. Regarde film porno. Faut apprendre. Apprendre, ça fait quoi? Ça tue pas. Ça tue pas. Le monsieur rentre du boulot tout fatigué. Toi, au lieu de le masser, non, tu fais des histoires. Pourquoi tu es rentré tard? Ta petite, tu rentres à telle heure. Ta petite, tu es comme si. Mais non! Le monsieur, il a une grosse journée. Quand il rentre du boulot, avant même qu'il rentre du boulot, ma chérie, nouveau shopping. Va au supermarché.
prends ta carte bleue, prends ta carte de crédit, va au supermarché, fais un nouveau shopping, tu prends les tenues sexy, les nuits moulantes. Quand ton corps remis dans prête, lui, quand il voit comme ça, il a vu, il était masé. Fais au supermarché, fais-toi, achète-toi des caleçons en dentelle, des bras, prends des sous-vêtements qui sortent de l'ordinaire, sois sexy. Et puis, dans ta sexy, il ne faut pas porter un caleçon. Va faire ton shopping, tu attends le monsieur à la maison, tu portes ton caleçon, tu l'attends. Dès qu'il vient, dès qu'il ouvre la porte, bonsoir chérie, tu le prends, baisse dans ton collègue, bim, tu finis le moukou correctement. Quand tu finis, tu lui poses la question, chérie, ça a été la journée. Mais il va te répondre, oui, c'est l'homme le plus heureux de la planète. À l'instant présent, il est plus heureux. Il ne sait pas comment te décrire cette joie dans laquelle il sera animé. Mais non, toi, tu ne connais pas ça. Le monsieur est rentré tout fatigué, toi, c'est question, c'est question, question, c'est question. On a la police. Non, non. Il rentre du boulot. Si tu as une table à manger, tu les prends. Table à manger, baisse en stopologie dans son corps. Il est content. Il est heureux. Il va se dire, hey, ma femme là, vraiment, elle est trop bien. Toi, tu connais pas ça. Toi, quand il rentre, question si question. Question si question. Jalousie va te tuer. Le monsieur n'en peut plus. Il en a marre. C'est grave. Ça, c'est une femme qui va venir te dire ça encore. Une femme d'âge, ça va cuisiner pour son homme. C'est très important. Toi, tes doigts te servent juste à faire Congo ça à frère sur Facebook. Why? Why? L'eau tu brûles. Découper pain, tu ne sais pas faire. QF, même c'est la merde. Même pour mettre pain dans beurre dans pain, problème. Même des pâtes vermicelles pour faire cuire, problème. Salade même, c'est compliqué. Mais c'est toi, ta bouche, c'est dans tous les affaires, ta gueule là, dans tous les affaires, c'est tout toi qui es collé sur Facebook H24, toujours dans affaires. Et quand ton mari va baiser Dieu, tu es étonné. Et ça encore, c'est une femme qui va venir t'apprendre ça, mais tu es bête, ou tu t'embêtes. Tu es dans la maison, matin, midi, soir, c'est toi qui portes pagne, pagne, pagne. Tu es né le jour de la Saint-Pagne ou quoi? C'est vrai, hein? C'est une question que je me pose. Tu es dans la maison, là, tes cheveux sont fracata. Il y a quoi? On ne s'entretient pas un peu. C'est vrai, on ne s'entretient pas un peu. C'est grave, quoi. C'est très grave. Il y a des jours comme ça. Monsieur, là, au boulot. Prends ton téléphone, chérie. Franchement, ta chaleur me manque. Où tu es là? Viens, mes mougou. Le monsieur, il est traumatisé. Où il est là? Au travail, il est là. Il est embrouillé. C'est fini. Ou bien prends ton téléphone, chérie, franchement, j'ai envie de sentir ta peine, c'est chaud dans ma bouche actuellement. Le monsieur est trop choqué, il est traumatisé. Travail en train de faire là, il va oublier ça. Il a dit, quand on m'a dit, ben, travail est terminé, il va s'envoler pour arriver à la maison. Parce que tu as donné envie. C'est important. C'est primordial. Mais toi, tu ne connais pas. On doit tout apprendre. C'est vrai. Il faut qu'on t'apprenne tout. C'est malheureux. C'est scandaleux. Tout ce qui est le sauf heureux parce que c'est bizarre. Ça, ayant ton instant, je ne comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique. Non. Tu es marié à ton mari. Vous êtes dans la maison. Vous avez des enfants. Mais toi, la femme, prends les devants. Prends l'initiative. Bon, les enfants, ce week-end, papa et maman doivent discuter des choses très sérieuses. Donc, allez chez grand-maman, hein? Grand-papa, grand-mère. Bref, c'est qu'un souci. Je vais vous déposer quelque part. Du lundi, pardon, du vendredi jusqu'à dimanche. Vous venez dimanche soir parce que le vendredi, samedi, dimanche. Bon, papa et maman doivent discuter des choses sérieuses. Vous comprenez? C'est des choses de grandes personnes. Donc, on ne peut pas vous laisser dans la maison. Donc, tu prends les enfants à couper des galets, tout le monde, vracata, chez grand-père, grand-mère. Bref, tu les déposes quelque part là-bas. Le week-end, c'est pour toi et monsieur. Monsieur ne sait pas. Tu vas faire un shopping, tu prends les vrais parfums, les vrais caleçons, les vrais habits. Monsieur rentre, il n'y a personne à la maison. Dès qu'il rentre, qu'un gland, il ouvre la porte, il est rentré, tu les prends. Baisse en stocologie. Lui-même, il est choqué. Baisse en stocologie. On ne parle pas trop. On n'est pas là pour discuter. On n'est pas là pour venir parler ici. On est là pour se baiser. Week-end spécial, baisse en stocologie. On ne parle pas. Si il y a les rancœurs avant, on laisse. Il y a les palabres avant, on laisse. Si on était fâché avant, on laisse. On laisse tout. Quand on a fini de se baisser en stocologie, bon, la semaine prochaine, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le coup. Ça, c'est le lien. Mais toi, tu ne connais pas où. Parce que tu es fâché, monsieur est fâché, toi, tu ne prends pas la devant des choses. Ma chérie, en fait, de l'homme, il n'y a pas gros qui. Gros qui ne mange pas de riz chaud. Il faut arrêter.
C'est important. Prends les enfants, vous les déposez au village le week-end. Monsieur, viens, vous vous baisez seulement. Baise, baise, jusqu'à... Lui-même, là, il sera content. Si tu veux, vous lui demander 40 millions, il va te donner. Il va te... Parce que sa femme le met bien. C'est très important. Très important. Un matin, tu peux te lever. Monsieur, là, au boulot. Tu te mets certainement bien. Tu mets le vrai parfum, tu te mets sur ton 45. Tu le trouves à son boulot pour lui, chérie, franchement. Je passais dans un bureau et tellement tu me manquais, je passe, je dis bonjour, tu me manques, je t'aime. Bonne journée, chérie. Mais le monsieur, sa vie a gagné. Ses collègues seront jaloux jusqu'à ce que tu n'as pas idée. Mais toi, tu ne connais pas où. On doit tout apprendre. Tu ne connais pas ça. On doit tout te montrer. Toi, ta vie, là, tu es là pour te montrer tout. Mais si tu n'as pas l'argent pour pouvoir innover, mais il faut avoir le cerveau pour prendre les petites choses, pour pouvoir innover aussi. Tu n'as pas besoin de milliards pour ça. C'est malheureux, hein? Scandaleux. Et puis, il y a un truc que de nos jours, les filles ne considèrent pas. Je m'explique. Les filles qui disent, oui, faire la fellation, c'est dégueulasse. Ma chérie, il y a dit, tu vois, nous, bouche, on prend pour manger. Et puis, on met au bas fond, là. Hein? Liquide gluant qui sort là-bas, là. C'est quoi? C'est du Nutella? C'est du Coca? C'est du Sprite? Non, hein? De la manière pour nous, là, c'est quelque chose qui sort. Et puis c'est pas doux, c'est air comme vinaigre. C'est pareil pour vous. Maintenant, on peut en avoir où? On avale bien, même. Hein, bon, ok. On se prépare, hein? Mais quand c'est vous, là, non, c'est dégueu. Pour nous aussi, là, toi, souci bien. Tu veux pas, toi, souci bien. C'est ce qui fait l'amour. Donc, toi, tu es bonheur. Et puis, nous, on va nous prendre bonheur. On n'est pas au village. On n'est pas au village. Faut arrêter ça, hein? C'est important. C'est très important de nos jours. Le monsieur rentre du boulot, il est tout fatigué. Il s'est lavé, il a mangé, tranquille, il a assis au canapé, il regarde un film. Les enfants dorment. Mais ma chérie, ça te coûte quoi de prendre ta main, tu mets dans son pantalon, tu sors le baba nid, tu sors le cobra de lion, et puis tu commences à le malaxer, le toucher, le palper comme ça, tu commences les trucs vraiment qui... Le monsieur te dit, mais hé, chérie, y a quoi, tu veux me tuer? Il est content, il est aux extases parce que tu prends soin de lui. Prendre soin de ton homme là, c'est pas seulement que ça va cuisiner. Faut savoir le donner, le blaguer un peu seulement. Garçon est trop pète. Pour blaguer garçon, c'est pas compliqué. Il est sur le salon, regarde la télé, mais prends son truc, tu malaxes. Film, il regarde, il va oublier. Il va oublier, allez chérie, allons dans la chambre. C'est pas fini. Demain, il faut dire chérie, il y avait 40 milliards, il va t'étonner. Ok. Mais non, toi tu es dans la maison là, toi tu es comme robot. Tu es là parce qu'il faut être là. Pagneuse, robeuse, tes cheveux sont fracata. Et puis là, tu portes les gros caleçons, des bâches de funérailles. C'est que ton caleçon est gros, non? On dirait la carte de la Russie. Mais faut arrêter. Les gros caleçons, bon, c'est quand vous avez vos trucs là, vos ram-ram, vos niam-niam, vos trucs là. Voilà, quand les Anglais débarquent, voilà. On peut comprendre. Tu portes des gros caleçons, ouais, c'est dégueulasse. Mais bon, après comment? Habillé à feu rouge, dégueulasse. Tu peux pas faire quelque chose. Mais lorsque le truc finit, faut taper un feu de victoire. Change de caleçon, change de parfum, change d'odeur. Mais non, toi tu es toujours dans gros caleçon. Tu es né le jour de la Saint, gros caleçon ou quoi? Faut arrêter! Faut arrêter! C'est pas bien. Moi ça m'énerve là. Donc, en l'occurrence comme assurance, de nos jours, un garçon ça se dompte. Faut formater sa tête. Faut retirer le CD de son ex avant d'insérer ton CD. Et quand tu finis, faut savoir le baiser. La baisse dans cette écologie, c'est très important. Faut savoir le soutenir. Faut savoir le surprendre. Faut savoir innover. Avec le dehors, aucune connasse, aucune chouine ne puisse te surprendre. Parce que lui, les petites chouines dehors, elles savent baiser. Hein? Je te parle de quelque chose. Elles vont finir ça. Elle est belle jusqu'à sa valse même là. Et ça peut la coller. Il t'essaye, il peut pas. J'étais prévenu. Parce que quand vous parlez, vous ne comprenez pas. C'est toujours vous qui courez derrière les coach. Hé! Hey! Pour être coach aussi là. On dit par coachation, il faut s'assurer son derrière. Vous comprenez? Faut arrêter. Faut savoir baiser ton âme. Faut savoir faire la cuisine. Parce que oui, ta main là, Dieu t'a donné ta main. Ce n'est pas pour attraper pénis seulement. C'est pour aussi savoir faire la cuisine. Et ça va faire manger et puis travailler. C'est très important. Ah ben oui, c'est très très important. Et c'est primordial. Faut arrêter vos conneries là. C'est comme ça. Ma chérie, si tu as pris ce que tu as dit, c'est quel temps même il va prendre pour te tromper même. C'est quel temps même.
Arrêtez les jalousies bêtes, bêtes là. Arrêtez ça. Arrêtez. Tu as vu, ça ne te plaît pas, tu avales. Tu laisses. Prends soin de ton âme. Faut tout vous apprendre. C'est malheureux. Bon, si tu as un conseil, viens me voir. Hein? Tu écris dans mon inbox. Tu viens me voir. Tu m'expliques ton problème. Ce n'est pas gratuit hein, parce que vous, là, vous êtes trop mauvais aussi. Vous, on vous donne un conseil, c'est que le Seigneur te bénisse. Alléluia, amen. Hey, on est sur la terre ici. Hein. Faut envoyer le Dieu quoi. Toi, moi, le lion, on peut te conseiller. C'est pas chez vous. Hein? Parce que vous, c'est ça votre problème. Là. Quand on fait quelque chose de gratuit, là, vous avez trop ça. Quand il faut payer, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Genre, nous, c'est écrit pangolin ici. On n'est pas né le jour de la Saint Pangolito. On n'est pas né le jour de la Saint Moutonnerie. Hein. Ah, vous aussi. Bon, c'était un peu le petit coup de gueule à toutes les filles qui m'ont mis à venir bravader. Mon gars a fait ci, il est comme ci, il est comme ça. Hé, hey, ma chérie. Les 4 points cardinaux de l'amour. Numéro 1. Faut savoir faire la baisse instantanée dans les moindres recoins du coin, contact, contagieux, de pourquoi, de comment, de la canine, du lit, du rebond. En tout cas, bref, faut savoir le baiser convenablement, en blanc, noir comme en couleur, recto, verso, aller-retour. Ça, c'est très important. Numéro 2. Faut savoir faire à manger. Oui, c'est très important. Les petits plats moelleux. Voilà, c'est très, très bien aussi. Numéro 3. De temps à autre, faut surprendre ton mari à son boulot. Tu te mets cette nuit brille dans ton 31, ton 45, ton 75, ton 100e. Tu m'aimes parfait chic. Tu vas au boulot. Bonjour, chérie, ça va, tu m'as trop manqué. Je passais te dire comme ça que tu me manques. Je t'aime. Bisous à ce soir. Le mec, il est aux anges. Ses amis seront jaloux de toi parce que ta femme, elle est hyper merveilleuse. Voilà. Numéro 4. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Il faut respecter ton homme. C'est primordial. Respecte ton homme. Même si tu es fâché à des paroles, il ne faut pas sortir. Parce que bon, ça fait des amours. Donc, il y a des paroles, il faut doser. Quand tu parles à ton homme, il faut doser. Oui, même si lui, il est sauvage. Bon, oui, c'est pas vous. Si lui, il est sauvage, toi, tu es sauvage. Bon, qui va calmer qui? Il faut qu'un soit au moins sage. Donc, il faut savoir doser vos paroles lorsque vous parlez à vos hommes. C'est important. Même si le gars, il est fâché comme Satan. Il va se calmer, non? Voilà. C'était un peu ça. Donc, ce moment, il vous laisse. Allez me promener un peu. C'est samedi, là. Boîte de bien en ville. Là. Donc, sur ce, partez-vous bien. C'était Bravado, le président de la Brava Gang. Voilà. Tu veux conseil, tu m'écris à bravado87.com. Tu m'envoies ton problème. Je lis. Hein. Mais avant de te enlever ma conseil, quoi. Faut commencer à préparer mon dieu, quoi. Nous, faut sortir le chéquier, quoi. Voilà. Parce que le conseil, ça va être gratuit. Ah, moi, dans le conseil, tu allais souhaiter ton couple. Et puis, elle me dit que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia, mec. On n'est pas à l'église. Même à l'église, on fait quête. Ah, même Dieu, il est payé pour ça. Pourquoi Dieu a mis dîme? Donc, si Dieu prend dîme, moi, il prend quoi? Amen. Moi, c'est pas pasteur. Tu envoies mon Dieu quoi, nous, et puis, pour aller on le dit, bah, on va voir comment est-ce qu'on peut arranger ton couple. Parce que même à l'église, on paye quête, on fait dîme. Même nourriture est payante. Donc, c'est ça qui est là. Sur ce, portez-vous bien. Je vous aime, j'adore ceux qui me kiffent. Tant mieux ceux qui me kiffent pas. Allez, cool. C'était moi. Ciao, ciao. Au revoir.